Eh bien bonjour à tous, c'est The Fan Roman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sur FS19. Donc aujourd'hui comme dit on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que tout simplement c'est la dernière vidéo de 2019. Et du coup j'ai décidé de tout simplement d'aller, d'accord, il roule dans la neige tranquille, de tout simplement passer, nettoyer les routes en fait, hein, simplement de la neige, parce que du coup j'ai laissé tomber la neige. Donc pour faire cela, on est avec un Xerion 4000, voilà, un classe Xerion 4000, pourquoi? Parce que j'avais envie, hein, très clairement, j'avais envie de mettre un gros tracteur devant qui était quand même relativement beau. je sais plus comment ça s'appelle, un sache-neige, un chasse-neige, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, un espèce de truc comme ça qui fonctionne pas, voilà, il fonctionne pas, mais je le laisse quand même pour le côté scié, et un rabot à l'avant, tout simplement, voilà, histoire de nettoyer les routes. Et également, avant de lancer la vidéo, j'ai essayé de mettre un sapin. Alors il y a tout sauf le sapin. Bon bref, du coup ça a bugué, mais bon, c'est pas bien grave. Du coup voilà, donc dans cette vidéo là on va tout simplement nettoyer les routes. J'aurais très bien pu prendre une machine pour le sel. Comme je suis très intelligent, je ne l'ai pas fait. Alors, on va commencer par faire un petit peu la ville ici, puis après on va partir un petit peu dans les campagnes. Dans la campagne on va dire. Bon, je baisse pas immédiatement. Voilà. Alors on va mettre ça dans ce sens là. Voilà. Baisse-moi tout ça. Nickel. Bon, appelez, on va aller nettoyer tout ça, tranquillou. Voilà, donc bon, ça va pas vraiment être une activité passionnante, j'ai envie de te dire. Mais c'est tout simplement histoire de changer. Alors j'espère que le son il est bon, parce que j'ai bidouillé quelques trucs, quelques réglages là pour le son, donc j'espère qu'il est bon. Par contre en termes de neige on est plutôt pas mal là, hein. Il y a quand même relativement beaucoup de neige, donc voilà, bon, il est vrai que là je sors de la ville, mais bon, hein, tant qu'on y est, autant aller jusqu'au bout. Après je vais mettre le régulateur à 25 km/h, parce que sinon j'ai l'impression que je roule un peu trop vite. Voilà, on va le mettre à 27, c'est une bonne vitesse je pense. Voilà. Enfin bref, donc sinon j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi ça va nickel. Comme dit, c'est la dernière vidéo de 2019 plutôt. Tout simplement parce que après je ne vais plus pouvoir tourner de vidéos. Et puis voilà, donc dans cette vidéo là simplement je vais vous faire un petit peu un récapitulatif de mon année 2019. Je sais que 90% des gens n'en ont rien à foutre, mais c'est pas grave. Ah oui, alors du coup par contre j'ai enlevé le trafic, ça va être un petit peu plus intelligent. Non, alors je bug toujours quand je vais dans ce truc là, je sais pas pourquoi. Allez. Non. Ok, mon jeu il a décidé de planter encore une fois. Ouais, alors trafic routier, non, voilà. Alors j'ai réessayé d'utiliser, merde, j'ai réessayé d'utiliser cette machine à l'arrière. Alors bon, ça fait le bruit d'une faucheuse, mais ouais, tout va bien. Bon, ça fonctionne pas. Bon, ça se trouve c'est juste parce que j'ai pas accès à acheter le terrain, je sais pas, mais bon. Oula, prendre des demi-tours là dedans ça va être compliqué. Voilà, bon, on va dire ça passe. Vas-y, avance. Autant de pousser un peu plus par là-bas. Voilà. Parfait. Enfin bref. Donc sinon, comme dit, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Oula. Si je baisse la mauvaise machine, ça va pas le faire. Parfait. Voilà. Donc voilà, donc sinon j'espère vraiment que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez de bonnes vacances, parce que du coup cette, cette vidéo là elle est censée sortir vers, vers fin décembre, je vais y arriver. Voilà, elle est censée sortir vers fin décembre. Tout simplement parce que comme ça vous avez aussi une vidéo pendant les vacances un petit peu récapitulative de tout ce qui s'est passé cette année, tout simplement parce que c'est le sujet que je voulais traiter en fait dans cette vidéo là. C'était mon année 2019, je sais ça fait gros cliché etc, mais j'avais quand même envie d'en parler pour la simple et bonne raison que 2019 a été une année particulière on va dire. Alors là par contre on va se débrouiller pour faire ça à peu près bien quand même, parce que là c'est relativement dégueulasse. Voilà. On va y arriver. Vas-y, tourne-moi ça. Voilà. Après, je vais essayer de faire ça proprement. Donc désolé si par moment je ne parle pas trop. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, on va bientôt arriver au sujet de la vidéo. Freine. Voilà. Du coup voilà, donc 2019 a été une année relativement particulière, tout simplement, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées.
Et puis donc voilà, donc je vais vous résumer un petit peu tout ce que j'ai ressenti durant cette année, tout ce qui s'est passé aussi pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, etc. Et puis voilà quoi. Bon, à la base je voulais vous faire un best-of de l'année, mais bah, j'ai pas pu tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Hein. Très clairement, je n'avais pas le temps pour faire ça. Donc voilà, j'ai pas pu, et puis c'est tout. Hein. Je suis désolé, mais bon, au bout d'un moment, j'ai des études quand même. Hein. Très clairement, j'ai quand même des études à faire. Enfin bref. Après, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va en profiter pour directement faire de l'autre côté. Après. Voilà, putain, le sapin il me dégoûte, hein. Très clairement le sapin il me dégoûte. Enfin bref. Mais du coup, oui, donc cette année a été une année particulière, mais aussi bah, une bonne année en quelque sorte hein, sur YouTube. Tout simplement parce que déjà ça a commencé par le fait que je reprenne, en fait, enfin que je fasse une vidéo par jour, pendant plusieurs mois très clairement. Bon après il y a eu des problèmes personnels qui ont fait que bah, je n'ai plus pu, hein, que je n'ai pas pu, que je n'ai plus pu faire ça. Je n'ai plus pu faire ça, voilà. J'ai... Bref, vous m'avez compris. Voilà, bon, il y avait des problèmes personnels qui ont fait que, bah, voilà quoi, dans la vie privée, il y a eu des choses qui ont fait que, bah, tout simplement, j'ai dû arrêter de faire ça, et puis c'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Mais du coup, voilà, donc déjà, l'année a commencé par le fait que j'ai fait une vidéo par jour pendant plusieurs mois, hein, très clairement. Oula. Pendant plusieurs mois, franchement, ça m'avait vachement plu, et je crois que c'est à partir de ce moment-là que, bah, il y a vraiment des gens qui sont mis à s'abonner à ma chaîne. Appeler, bon, après on est chez les particuliers donc c'est pas chez moi, enfin donc c'est pas la commune donc on le fait pas, voilà, on va repartir dans l'autre sens. Mais bon du coup voilà, donc vraiment je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à s'abonner. Et puis bah, en vrai c'est une période, enfin c'était une période que j'ai vraiment appréciée, dans le sens où bah ça me plaisait de faire une vidéo par jour, etc. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai arrêté de faire une vidéo par jour, simplement suite à des problèmes dans la vie privée. Appelé suite à des problèmes dans ma vie privée, et puis aussi suite bah, simplement au fait que je n'ai plus le temps. J'ai plus le temps, je suis en train de faire mes études pour ceux qui savent pas, et puis bah mélanger études et faire des vidéos sur YouTube c'est pratiquement impossible. Bon là ça va que j'ai réussi à trouver un petit peu de temps pour tourner une vidéo, du coup j'en profite d'en tourner une tout simplement. Appelé, j'en profite de pouvoir en tourner une donc voilà. Mais voilà, donc en plus de ça en ce moment, donc oula, parce que là aujourd'hui je crois qu'on est le 10, ouais, on est 19 décembre quand je tourne la vidéo, jeudi 19. Et bah, tout simplement là cette semaine, du coup j'étais en contrôle toute la semaine avec les partiels, etc. Et encore j'ai pas fini tous les partiels, j'en ai encore au mois de janvier. Donc voilà, donc pour l'instant c'est très très compliqué tout ça. C'est très très compliqué bah, tout simplement d'avoir du temps pour YouTube, etc. Surtout en ce moment avec les contrôles, les études et tout ce que tu veux, enfin les études, les partiels, enfin bref, tu m'as compris. Oula, alors là par contre du coup ça va être la bonne misère. Je sais pas comment je vais m'organiser pour ranger ça là, mais bon, hop, on va se débrouiller. Vas-y, pousse-moi tout ça là-dedans. Ok, je passe à travers les barrières, tout va bien, bon, on va voir. Appeler, au retour on va passer dans l'autre sens, comme ça on va dire ça va faire propre. Voilà. Parfait. Mais bon, du coup voilà, donc c'est juste pour ça que j'ai arrêté tout simplement de faire des vidéos comme ça, une vidéo tous les jours, etc. Puis après, bon, je crois que la plupart savent un petit peu toutes les séries que j'ai faites, etc. Donc je vais pas vous énumérer toutes les séries. Mais voilà quoi, donc c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur de vous dire ça au moins. Par contre, la petite dame, elle va pas être contente si je lui fous de la neige en plein milieu devant la porte. Du coup, bon, on va pas lui faire ça, la pauvre. L'appeler, vas-y, tourne-moi ça. Voilà. Mais du coup voilà, donc vraiment ça c'est déjà ça, c'était un très très beau début, hein, le fait de pouvoir faire une vidéo tous les jours, enfin d'avoir fait une vidéo tous les jours, juste ça déjà c'était un truc bah, qui pour moi restera inoubliable bien évidemment. Puis après il y a eu beaucoup 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 de soutien de votre part, et puis j'ai rencontré des personnes formidables, hein, très clairement j'ai rencontré des personnes formidables. Tel que le simulateur atomique, tu vois, lui, le simulateur atomique, franchement, c'est une personne superbe. Ray aussi, c'est une personne formidable. C'est aussi, bon, même si j'ai plus forcément de nouvelles, franchement, ce sont des personnes formidables, tu vois, y a rien à redire. Et ainsi de suite. Appelé, donc vraiment, j'ai fait des rencontres formidables durant cette année 2019, et ça m'a fait super plaisir, quoi, d'avoir de rencontrer des gens comme ça, tu vois, ça te permet de plus te retrouver seul. Si t'as des problèmes avec quelqu'un auparavant, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ça voilà, je préfère pas trop en parler. Appeler des problèmes, etc. Faut qu'on reste dans le côté un petit peu plus positif de la chose. Appeler. Faut rester dans le côté plus positif de la chose, mais bon. Appeler. Alors, là par contre, il faut que je m'organise pour. Oula. Pour faire un truc propre.
Yay. Bon, hop, on va dire que ça va faire le travail. Voilà. Je peux pas faire mieux, mon tracteur il est trop gros, ok? tout simplement, voilà. Et puis voilà, donc vraiment cette année c'était. J'ai pas envie de trop oula, j'ai pas envie de trop approfondir non plus les sujets parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je crois que ce. Oula, j'ai shooté un poteau. Je crois que ce qui va vous intéresser le plus, c'est ce que je vais faire pour l'année 2020. J'ai déjà plusieurs idées, hein, j'en ai déjà parlé au Simulateur Atomique, parce que bah, justement lui, je lui ai parlé justement mercredi soir après un live. On a joué ensemble, etc. sur la partie. On a joué ensemble sur une partie, etc. Enfin bref, c'était franchement c'était cool, c'était super sympa et tout. Et puis voilà, donc bon, je vais en finir vite fait avec le sujet de 2019, etc. Tout simplement, voilà, donc ça a été une belle année, hein, très clairement ça a été une belle année sur YouTube du moins. Voilà, c'était une belle année sur YouTube. Et puis voilà, donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui me soutiennent, parce que comme j'avais dit dans le live du mercredi 18, hein, le soir, l'épisode 3 de la Gamsing, je crois que c'était, je sais plus. Oui, je sais déjà plus ce que j'ai fait le live, enfin comme live le soir d'avant, mais enfin bref. Tout simplement, dès que vous mettez un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit commentaire en mode continue comme ça, super vidéo, continue comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça me touche énormément, très clairement. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me touche, parce que pour quelqu'un qui a à peine 600 abonnés à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, recevoir des messages comme ça me touche et ça me motive à continuer, tu vois ce que je veux dire? Et puis le fait qu'il y ait à chaque fois genre des personnes sur le live, etc., que vous mettiez des messages, etc. Même si c'est pas forcément 3000, 4000 personnes, moi je m'en fous très clairement que ce soit une personne ou qu'il y en ait 70. Voilà quoi, tu vois, au final, je prends du plaisir à faire ce que je fais grâce à vous, parce que vous me soutenez en quelque sorte. Et ça, je crois que vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Enfin bref, voilà quoi, c'est vraiment, c'est un truc, c'est impressionnant, voilà. Et puis c'est tout, hein, c'est inexplicable, hein, très clairement. Si vous voulez savoir ce que ça fait, tout simplement, bah il faut que vous le viviez. Tu vois, moi je pars de ce principe maintenant. C'est un petit peu la morale que j'ai de 2019. Tout simplement, pour savoir comment quelque chose est, ou comment quelque chose sent, genre, comment ça fait de vivre ça, et bah tu peux pas l'imaginer, il faut vivre pour que tu puisses l'imaginer. Faut le vivre. Et puis moi cette année, donc j'ai vraiment vécu beaucoup de choses, grâce à YouTube, et puis bah, dans ma vie personnelle aussi, dans ma vie privée. Et puis bah vraiment j'ai appris beaucoup de choses, et puis bah je suis content de ce qui m'est arrivé, très clairement je suis content de tout ce qui m'est arrivé cette année, surtout sur YouTube. Mais enfin bref, on va passer à un sujet un petit peu moins émotionnel, allez hop. On va passer un petit peu à un sujet moins émotionnel. Puis d'ailleurs je tiens à préciser un petit truc, bien évidemment cette vidéo-là va pas vraiment être super joyeuse jusqu'à la fin, très clairement c'est. Voilà, vous avez compris, hein, très clairement. Mais par contre, la neige, il y en a beaucoup quand même. Ah, par contre, hop, je vais se mettre les gyrophares. Voilà, je vais mettre les gyrophares. Mais voilà, quoi, donc vraiment, c'est plutôt impressionnant à quel point cette vidéo-là va être fatigante. Non, je rigole. Bon, faut quand même rigoler un petit peu, hein, parce que si tu rigoles pas du tout, bah, c'est chiant, en fait. Enfin, bref. Du coup, voilà, donc voilà un petit peu pour le résumé de 2019. Et donc là, je vais vraiment vous parler de ce que j'ai comme. Enfin, ce que j'ai prévu tout simplement pour l'année 2020. J'ai déjà un ou deux projets en tête. Il y en a un, je ne peux pas vous en parler parce que je sais pas si je vais réussir à l'aboutir. Puis bah, l'autre non plus, je sais pas si je vais réussir à l'aboutir, tu vois, je sais pas si je vais vraiment le faire. Mais c'est un truc, j'y pense depuis pas mal de temps. Et c'est un truc auquel je pense depuis pas mal de temps, mais j'ai longuement hésité à le faire. J'ai hésité très longuement à le faire, et même là je sais pas si je vais le faire, mais plus j'y pense, plus je me dis que je vais le faire, et ça bah c'est une bonne nouvelle, hein, très clairement. Voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est tout simplement pour 2019, j'ai envie d'agrandir ma team, d'agrandir les vidéos, enfin d'améliorer les vidéos en quelque sorte, le contenu des vidéos, dans le sens où je vais reprendre les vidéos multijoueurs. Ça va être un truc, ça va être sûr et certain. Je vais me débrouiller par quelconque manière, tout simplement, de consacrer, hein, tout simplement, plus de temps à ma team, et puis à vous aussi, à mes abonnés, à faire plus de vidéos, enfin des vidéos plus travaillées, enfin pas forcément plus travaillées, parce que j'ai pas envie de faire du montage, etc., sur une vidéo de farming. Mais ce que je veux dire par là, c'est plutôt oula, trouver avec des séries, venir avec des séries, des nouvelles séries, des nouvelles idées, etc. C'est vraiment ce que j'ai envie d'essayer de faire. Je ne dis pas que je vais réussir. Et puis du coup, comme dit, je vais reprendre le multijoueur. Donc j'avais la partie sur laquelle je jouais là avec ma team déjà, sur la Geiselsberg.
J'avais encore cette sauvegarde là et puis du coup j'ai joué dessus avec Atomic. Et d'ailleurs le lien de sa chaîne est dans la description, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Et oui je sais, je place des petites pubs comme ça à droite à gauche, wow. Mais voilà, du coup ce que je pense vraiment c'est agrandir ma team, donc je vais voir pour vous les abonnés, enfin j'ai, oula, au mois de janvier je crois que je vais faire un live dans lequel tout simplement je vais vous recruter en quelque sorte, ou enfin peut-être pas un live mais dans les vidéos etc. Genre sur tout le mois de janvier je crois que je vais faire des recrutements etc. Bon pas trop non plus parce que dit au bout d'un moment voilà quoi, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie d'être 12-13 sur le dans une team non plus, mais j'hésite à rajouter 2-3 personnes à la rigueur 4 pour qu'on soit 6-7 voire 8 dans la team, pas bien plus parce que sinon au bout d'un moment voilà je vais m'y perdre, hein, très clairement je vais m'y perdre, mais voilà, donc j'aimerais vraiment agrandir ma team. Pour la simple et bonne raison que pour que déjà je joue avec des abonnés, hein, tout simplement pour que je joue avec des abonnés qui puissent apprécier, tu vois, de faire des vidéos avec quelqu'un, etc. Parce qu'il y en a qui veulent faire des vidéos mais ils ne peuvent pas, du coup peut-être ils peuvent faire des vidéos à travers quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire. Participer à des vidéos ça peut leur faire plaisir aussi. Mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et puis ce que je pense du coup également faire, c'est prendre un serveur sur 10 mois, du coup, bah, jusqu'au nouveau farming, hein, tout simplement. Jusqu'au 21. Et puis le prendre avec 6 slots, donc où il y aura 6 personnes qui pourront venir, appeler à la fois. Et puis voilà, donc après on fera des vidéos en multijoueur, etc. Vous pourrez aller dessus si vous voulez. Bon, bien évidemment, je vais pas recruter tout le monde qui vient, hein, ça me paraît logique. Mais tout simplement ce qui va se passer c'est que bah, je vais quand même prendre au moins deux personnes. Allez, au moins deux personnes. Après bon si vous êtes trop jeune, voilà, ça va pas être possible non plus. Mais bon voilà quoi, si vous avez moins de 11-12 ans, là ça va être un peu plus compliqué, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà quoi. Enfin bref. Oula. Enfin bref, après je vais m'organiser pendant les vacances, etc. Je vais vous en donner des nouvelles au mois de janvier. Hein, tout simplement, je vais vous en redonner des nouvelles au mois de janvier, etc. Enfin bref, donc voilà quoi, donc après, oula, c'est bon, j'ai cru que, je sais pas pourquoi j'ai cru que mon jeu il allait sauter, genre il allait cracher, mais c'est pas grave, c'est passé, mais voilà, du coup c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire pour l'année 2020, j'allais dire 2019, mais vraiment pour l'année 2020, c'est simplement de prendre un serveur de 10 mois, et puis faire des vidéos avec vous, consacrer plus de temps à vous, parce que bah là pour l'instant j'ai eu les études qui me prennent, c'est vrai que les études prennent énormément de temps, que je sois à la fac ou non, les études ça prend beaucoup de temps, hein, très clairement, même les gens qui disent que la fac ça prend beaucoup de temps, c'est des mensonges, hein, ça prend énormément de temps, et puis c'est difficile de trouver suffisamment de temps pour faire YouTube à côté. Comme vous le savez, tout simplement je galère déjà à trouver du temps pour mes vidéos dans mon coin, hein, donc faire des vidéos multijoueurs c'est encore plus compliqué. Alors là par contre je vais ralentir un petit peu parce que je sens que ça va me faire de la merde. Voilà, bon, on va dire ça fera le taf. Oui, ça va faire le travail, ça va le faire. Mais voilà, donc déjà que je trouve j'ai du mal à trouver du temps pour pour mes vidéos tout seul, alors trouver du temps pour faire des vidéos multijoueurs c'est encore plus compliqué parce qu'il faut s'organiser etc. Mais enfin bref, après on verra bien comment ça va se passer. J'ai envie de passer plus de temps avec vous, de passer plus de temps à vos côtés, tout simplement, parce que bah, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dès que je sors une vidéo, que je fais un live, vous me soutenez énormément, mais que derrière moi je vous déçois parce que je ne fais pas forcément la qualité ou la quantité que vous voulez, etc. Après ça se trouve c'est juste moi parce que je suis un abruti que je pense ça, hein, c'est pas impossible. Après ça se trouve ça vous convient totalement. Enfin tu vas me dire, je suis sûr il y en a qui se sont abonnés pour avoir une vidéo tous les jours. Tu vois, ça me paraît logique, hein, très clairement voilà. Mais voilà, en ce moment je peux pas et puis c'est tout. Après je vais vraiment essayer, je ne garantis rien. Je tiens vraiment à le préciser, je ne garantis rien de chez rien. Je vais vraiment juste essayer déjà de faire ça. Ça va déjà être pas mal si j'arrive à essayer. Hein, mais voilà quoi. Bon, bref. Du coup voilà, donc vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de faire au mois de. Enfin au mois. À l'année 2020, je vais y arriver. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, mais bon. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous en redonner des nouvelles au mois de janvier, tout simplement. Et puis voilà. Appelez. Alors là par contre on va bien rigoler. Ah non, c'est bon. Tout s'est bien passé. Enfin bref. En tout cas, j'espère que l'activité que je fais actuellement vous plaît. Parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait ça auparavant. Mais jamais débauché, jamais. Donc j'espère que ça vous plaît au moins. Hein, pas que je fasse quelque chose au pif, hein, très clairement. Et d'ailleurs pour ceux qui se demandent, on est sur la map The Great Stump. Donc d'ailleurs pour ceux qui veulent voir une série sur cette map là, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne du Simulateur Atomic, le lien est dans la description comme dans toutes les vidéos.
Tout simplement parce que oula, parce que lui il fait déjà une série là-dessus et puis moi j'avais pas trop envie parce que bah c'est pas que la map me plaît pas mais c'est pas la meilleure des maps on va dire. C'est pas la meilleure des maps selon moi donc voilà quoi. Mais le truc c'est que oula, le truc c'est que bah, c'est la seule map sur laquelle la neige vient sur la route. Enfin c'est la seule map que j'ai, hein, tout simplement que où la neige vient sur les routes. Du coup voilà, bon j'ai décidé d'aller dessus et puis hop, j'ai pas cherché à comprendre. Voilà, j'ai pas cherché à comprendre. Et puis c'est tout. Enfin bref, et également je tiens à préciser que cette vidéo-là ne fera pas plus de 25-30 minutes. Pour la simple et bonne raison que bah non seulement j'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire, enfin non j'avais pas tout dit de ce que j'avais à dire, dans le sens où j'aimerais encore dire beaucoup plus de choses. Mais vu que bah là j'ai encore du boulot, j'ai encore du travail bah, pour mes études tout simplement, pour encore que je révise, etc. Voilà, c'est. J'ai pas trop le temps, tu vois, j'ai pas trop le temps de faire plus de. Enfin une vidéo plus longue. Mais bon voilà quoi. Après c'est comme ça, hein. Très clairement c'est comme ça, j'ai pas rien, au bout d'un moment, voilà, j'ai quand même une vie. Donc voilà, donc ce qu'on va faire tout simplement c'est que là je vais finir ce passage sur cette route là et puis on va faire un retour. Et puis voilà, et puis on va s'arrêter là-dessus. Hein, tout simplement parce que ça fera déjà une bonne petite vidéo, on va pas se le cacher, hein, ça fera déjà une bonne petite vidéo. Et puis voilà, mais bon. Après j'espère que cette année 2019 vous a plu aussi, hein, très clairement, et j'espère que ce qui va suivre au mois de 2020 va vous. Au mois de, à l'année 2020, ça va vous plaire aussi, hein. Bien évidemment, j'ai pas envie de faire des vidéos qui vous plaisent pas, bien, même si le but principal c'est que les vidéos me plaisent à moi et pas forcément à vous. Parce que si vous êtes abonné, ça veut dire que les vidéos que je fais vous plaisent, donc ça veut dire que les vidéos qui me plaisent vous plaisent aussi. Mais bon, oui j'ai fait un bac littéraire, et oui j'ai fait de la philo, j'ai eu de la philo pendant une année, 7 heures par semaine, mais voilà quoi, hein, c'est bon, hein, c'est bon, tout va bien. Enfin bref, mais voilà quoi, donc voilà, donc vraiment cette vidéo-là, du coup, elle fera pas vraiment beaucoup plus long non plus, parce que bah, tout simplement j'ai du boulot, hein, tout simplement c'est juste pour ça, c'est juste parce que j'ai du boulot. J'ai déjà eu du mal à trouver du temps pour tourner cette vidéo-là, donc voilà quoi. C'est pour ça tout simplement qu'il n'y a pas eu plus de vidéos, parce que bah, je suis extrêmement occupé, voilà. Appelez, vas-y, tourne. Oula. Alors là par contre je sens mal ma connerie au bout de la route. Appelez. Je sens mal ma connerie au bout de la route. La route. Faut que j'arrête de parler comme ça. Enfin bref. Appelez. Bon, vraiment j'espère que sinon l'activité bah, vous fait pas trop chier non plus, parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait ça de ma vie dans une vidéo tout simplement. Appelez. Enfin, même pour mon plaisir personnel. Oula. Enfin, même pour mon plaisir personnel, tu vois ce que je veux dire, même dans mon coin j'ai jamais fait cette activité là, donc si tu veux c'est un petit peu totalement nouveau pour moi, hein, très clairement, de faire ça. Appelez, on va rentrer là-dedans. Par contre le tas de neige il est un petit peu excessif mine de rien, j'ai l'impression, hein. Juste un petit peu, ouais, il est juste un petit peu excessif, pas beaucoup. S'en fout rien. Appelez. Voilà. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu retourner la cabine du tracteur et puis bah, du coup elle est plus. Ouais bon, tant pis. Hein. Hop, mais c'est reparti. Bon, hop, le dernier petit passage avant de s'arrêter. Mais bon, hein, très clairement, voilà, c'était juste. En fait, ce que je fais là, très clairement, comme activité, non seulement c'est juste pour changer. Enfin, c'est juste pour changer, mais c'est aussi pour. Oula, c'est aussi pour tout simplement bah, avoir un gameplay en quelque sorte en fond pendant que je vous parle, très clairement de tête à tête, j'ai limite envie de te dire, même si c'est pas vraiment le cas, mais tu vois ce que je veux dire. Appelez. Bon là je roule à pleine balle parce que 25 km/h ça n'avance pas en vrai. Voilà. Et on va dire que le boulot il est relativement bien fait, donc hop, voilà, tout simplement. J'espère que la commune va bien me payer parce que dis, sinon je vais être dégoûté, enfin bref. Enfin voilà quoi. C'est quoi ça? YouTube? Tiens, j'ai jamais vu qu'il y a une Kuma là, non. Bon. Bah écoutez, hein, vous vous débrouillez pour sortir de la Kuma. Bah, tu vas me dire qu'est-ce que tu veux faire avec un tracteur là? Tu veux labourer le champ? Enfin, quoique, c'est pas possible. Il y en a qui labourent en hiver, hein, dans la neige. Je sais pas pourquoi, mais il y en a qui labourent. Bah, ça doit avoir une raison. Ils doivent une. 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Ils doivent avoir une raison, mais je ne sais pas laquelle. Simplement, voilà, je ne sais pas c'est quoi la raison. Hein, tout simplement, voilà. Ça me plaît. Parfait. Nickel. Oula. Alors, ouais, j'étais en train de penser à un truc, mais non, justement, en fait, là, j'étais justement en train de penser à l'autre projet un petit peu que j'avais pour 2020.
Sujet que je ne peux pas encore traiter. Alors il y a un poteau qui était par terre, enfin un panneau plutôt, hein, de route prioritaire, là je crois que ça faisait, j'ai même pas fait attention. Et du coup ouais, j'étais en train de penser à l'autre projet, je suis désolé que je peux pas encore vous en parler parce que vraiment ça c'est. Voilà, l'autre j'en suis pratiquement sûr, enfin du moins pour agrandir la team, ça c'est un truc c'est sûr que je vais le faire. Le serveur reste à voir parce que c'est quand même 50 euros, c'est relativement cher, hein, très clairement pour un 6 slots. Après, pour un 6 slots, donc ça fait quand même relativement cher. Et puis voilà quoi, donc ça je suis pratiquement. Enfin le truc de la team c'est sûr, ça je vais le faire. Le serveur reste à voir, hein, tout simplement ça reste à voir. Et ainsi de suite. Mais l'autre projet, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous en parler, mais c'est comme ça, hein, très clairement je suis désolé, mais je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas vous en parler, tout simplement. Après. Bon, la vidéo touche à sa fin malheureusement, donc comme dit, hein, fait un peu plus de 25-26 minutes. Je suis désolé qu'elle soit pas plus longue que ça, mais bon, vraiment, je n'ai pas le choix. Et puis à la base, déjà, j'avais pas le temps pour tourner cette vidéo-là, mais je me suis dit, non, tu y retournes une vidéo, parce que ça se fait pas de finir l'année sans faire une vidéo spéciale pour ça, quoi. Alors que tu as dit que tu allais faire une vidéo spéciale, ça ne se fait pas, tu vois ce que je veux dire. Du coup, là, je me suis vraiment donné le temps, en fait, hein. Je me suis obligé à tourner cette vidéo, en quelque sorte. C'est con à dire, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, quoi. C'est con à dire, mais c'est vrai. Après. Enfin bref, bon la vidéo touche malheureusement à sa fin. Parce qu'en vrai tu vois ça me fait plaisir de tourner des vidéos et tout, tu vois, ça me fait super plaisir, mais bon, au bout d'un moment quand on peut pas, tout simplement. Voilà. Enfin bref. On va s'arrêter là-dessus, nous en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à la prochaine. Et également, passez de bonnes fêtes de fin d'année. J'avais totalement oublié ça. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, bonne année 2020 en avance. Et puis, bah, moi je vous dis à l'année prochaine. Allez, ciao, ciao!